Aujourd'hui, tout le monde le sait, on se nourrit de pain, on ne se nourrit pas d'idéologie. Il faut permettre à l'espace francophone de trouver les espaces d'expression économique, les espaces de solidarité, les espaces de commerce, d'échange, pour permettre à cette francophonie économique d'exister, de continuer. Il faut que le commerce au sein de l'espace francophone puisse se développer. Il faut que les relations économiques puissent se développer. Il y a un forum francophone des affaires, ici, qui est dirigé par M. Steve Gentilly et qui fait un excellent travail. Je pense que ça, c'est important. Ces relations entre ces opérateurs économiques en France qui vont régulièrement dans le sud rencontrer les autres opérateurs, créer des joint ventures, créer des grosses sociétés, des entreprises au sein de l'espace francophone. Moi, je pense que c'est ça la bonne démarche et ça doit être renforcé. Je suis très fier et heureux de parler de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires, OADA, dont le Sénégal fait partie des membres fondateurs. Et l'OADA aujourd'hui a atteint sa vitesse de croisière avec l'installation des cours des autres organes qui accompagnent la mise en œuvre de ce droit. C'est un droit qui permet à nos espaces d'être des espaces compétitifs parce qu'il y a un droit qui est là. Quand l'investisseur vient, il n'a pas peur de perdre son investissement parce qu'il sait qu'il y a une structure, il y a un droit, il y a une cour qui pourra se prononcer facilement pour lui reconnaître son droit. Ça, c'est extrêmement important. Et cet équilibre dans l'esprit de l'investisseur, qu'il va dans un espace protégé, sécurisé, ça draine non seulement l'investissement, mais ça met l'investisseur aussi à l'aise pour augmenter son investissement, accroître ses parts de marché.